Et salut les poilus, ici Chibi413, on se retrouve sur la suite de Final Fantasy XV. Alors, comme d'habitude, j'ai fait toutes les quêtes que je pouvais faire. Et il me manque juste ces quêtes-là, mais c'est parce que c'est hors zone en fait. À part la principe. Ah mais ça, c'est, il faut juste du temps et retrouver les objets. Il ne reste plus qu'à faire ça, donc c'est hors truc. Je suis passé niveau 49. Équipement, j'ai rien changé. J'ai eu. J'en ai eu une autre, je sais plus laquelle. Celle des mines. Attendez que je vous montre. Non, pas ça. Non, celui-là, j'ai toujours pas fait. Ici, celui-là. Enfin, celui-là, j'ai trouvé l'arme principale. Donc, il reste plus qu'à faire la quête. Donc, c'est parti pour avancer. Pardon. Je préfère qu'il fasse jour pour voyager. Et elle se fout de ma gueule dès le début. J'aime ça, c'est génial. Bah du coup on va l'espiéter. Si j'avais su. Ah tu sais, je dois passer par où ici? C'est quoi cette histoire? Pas grave, on va faire le tour ici. Qu'à cela ne tienne. On va y arriver, il n'y a pas de souci. J'espère que c'est pas trop cher. J'ai pas été là et j'ai plus d'XP à me mettre, bah non. Donc tout ça pour rien, c'est génial. Vous arrivez au bon moment. Notre meilleure chambre est disponible. Et je vous conseille de faire les quêtes à côté, hein, avant de suivre les chapitres. Surtout celle de Vive le photographe là, parce qu'il rapporte blindes et thunes et j'ai dépensé pas mal en achetant des conneries comme d'hab. Oh, pour voir sa gueule, non merci. Donc on va repartir parler à Iris. Ça Ouais. c'est Sid. C'est bon. J'ai fini. Viens la chercher. J'irai chercher plus tard, c'est pas bien grave. Parce que je lui avais confié l'arme et à chaque fois il met du temps, il faut attendre 2-3 jours pour qu'il finisse, tout simplement. Donc on est parti. Parlez à Iris. Yo, ça te va Bon, comme on y ça? va? Allez, en Comment elle route! dit ça? Bon, on y va comme si genre elle nous attendait nous alors que c'est elle qui nous a fait patienter. Allez, on y va? En route! Entre les garçons, hein, petite coquine. 5 km, on sait pas se téléporter. Elle a des belles petites bottes, hein? Attends, on va essayer de voir si on peut regarder. C'est On bon peut de pas voir voir. Idalia. Elle me rappelle l'insomnia. Sous la jupe. Ouais, elle est vraiment différente des voitures d'ici. Elle est si spacieuse. On tient à 5 sans problème, même avec Gladio. C'est pas comme les voitures du coin. Vous les avez essayées? Non, jamais. Il y a à peine assez de place pour des bagages. Heureusement que vous étiez là pour m'emmener. Vous pensez que les autres sont déjà à KM? Oui. Il devrait être arrivé à l'heure qu'il est. Si on pouvait te foutre dans le coffre, ma fille, tu verrais qu'il y a encore plus de place pour nous. 5 km. Enfin, 4 km. On peut pas faire menu. Pour voir où est-ce qu'on y va. Paix à son âme. Notre ami Jared qui est mort à cause de l'Empire. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les zones inaccessibles où il y a les barrages tout en haut de la carte à gauche puissent se barrer pour que je puisse faire les quêtes. Putain, plein d'XP. Tu conduis Et la vraiment? suite. Oui. Personne d'autre ne sait Je vais aller conduire. faire mes 80 quêtes, Moi, je moi, peux. pour le Moi trophée. aussi, je peux. Ah, ils peuvent conduire, ça, y a pas de doute. Mais Ignis, c'est le seul en qui j'ai vraiment confiance.
Pourquoi? C'est des chauffards? Non, pas du tout. Hein? Bah non. Mais va savoir pourquoi Gladio s'est mis en tête qu'Ignis est plus prudent. C'est vrai. C'est vrai. Sauf que la différence, c'est qu'on peut pas accélérer tant que ça la voiture, ce qui veut dire que ça change absolument rien, mon ami. On veut faire une petite pause? Non. Ça va, t'es pas trop serré au milieu? Prompto peut prendre ta place? Non, pas de soucis. Je suis bien ici. Il n'est pas difficile. Bon, au moins, elle est au chaud parce qu'avec tout le vent, je veux bien qu'il fasse ensoleillé pour l'instant, mes amis. Ils sont tous dit en t-shirt. Et moi qui suis extrêmement frileux, je préfère aussi me foutre entre deux. Pas trop chaud. Par contre, ma fille, tu te mets correctement dans la voiture et tu mets ta ceinture. Eh, code de la route, sécurité avant tout. Un vaisseau impérial. Il doit y avoir une base. Arrêtons-nous. Noct. Ça ira. T'inquiète pas. Non, pourquoi s'arrêter? Continue. Avance, suppose Satan. Bon, moi je vais refaire le plein, comme ça on tombera jamais en rade. Noct, tu veux y aller? Ouais, je veux venger la mort de Jared. Ça fera plaisir à Talcott. Oh yes. Putain. Attends-nous ici. Ok. Je peux pas faire le plein? D'avant? Non. Ok, bah je vais aller par où? Noct, il nous faut un plan si on veut s'en sortir. Une fois à la base, réfléchissons à une stratégie. mètres. Mais y a pas de souci, copain. J'ai monté à d'autres poulets. On va mettre 4 jours au cas où. Parce que ça peut partir très vite. Viens ici, Plumeau. Ouais, je l'appelle Plumeau. C'est le mien maintenant. C'est mon Plumeau. Oh bah c'est parti à d'autres Plumeaux, les amis. Je crois qu'ils veulent s'emparer de tout le territoire. Ils ont pas l'air d'avoir assez d'hommes pour ça. Probablement une base de ravitaillement. Autant oh, ça passe pas au-dessus, c'est nul. Bon, attends, du coup, tout droit ou à gauche? C'est la question. Je pense que je pourrais passer ici, mais je suis pas sûr. Alors que là, c'est quasi sûr. Elle ressemble à celle d'avant. On va passer à gauche. Similaire, en effet. Ils se sont déjà fait battre. Ils doivent se méfier maintenant. Le résultat sera le même. Ça serait bien qu'on puisse changer leur nom. J'espère qu'Iris va bien. D'en acheter un ou si au lieu de les louer. Ne faites pas de soucis. Elle a du cran. Noct. J'entends un moteur Magitech. T'es caté ma gueule. On va défoncer une base. C'est pas se battre. Si. Non, t'as raison. Alors on finit vite fait bien fait et on rentre. Ok. Calme-toi. Vol Plumeau. Ok, il m'a juste brain. On va passer par ici. Kazlan Chen. Tu veux pas? Bah attends, frère. Reste ici, bouge pas. C'était un vrai déluge. Mais oh putain. Le temps est vraiment instable. Descends. Mais oui, un arc-en-ciel. C'est sûr d'aller un peu plus vite, hein, les amis. Hop. Bon. Du coup, on va défoncer la base. Au KLM. Hop. Mais ouais, allez. Descends de ton perchoir. La pêche aujourd'hui.
sais. Bien, quel est le programme? Ah, là je me dis que je suis arrivé, mais il y a rien qui se passe, c'est quoi cette histoire? T'as un plan? Ce qu'il nous faudra. Évitons les cette fois-ci. Alors, on va dans le temps. Compte sur nous. Noct, tu es prêt? Yeah. Opération coup de filet. En avant. On va tout démonter. Chargement. Pour venger la mort de Jared, Noctis et ses amis décident de s'infiltrer dans Fort Volerhei, une autre base impériale. Bon, on va toutes les démonter au fur et à mesure, en fait, les bases. Donc à la fin, il restera presque plus rien. Et c'est ça qu'on aime. Cette ex-mercenaire, elle est absolument pas fiable. J'attends encore qu'elle me contacte. Ça va pas du tout. Elle va finir par ternir ma réputation auprès de l'empereur. C'est notre cible. Suivons-le. On peut pas le tuer. Attends le signe pour le capturer. Ne te fais pas remarquer. Ouais. Je le regarde. J'ai trop envie de buquer et de le tuer. Bon, bah, je suppose qu'il faut juste le suivre et le rejeter. J'aimerais savoir où le chancelier veut en venir. Je ne suis pas idiot, je sais qu'il me fait surveiller. Hey, arrive là. Évitons les combats inutiles. La priorité. Oh putain, faut juste le. Oh, moi je veux tuer. Hein. J'ai horreur des infiltrations, c'est énervant. Il n'y a rien de plus rageant. Ouais, bah, du coup, il va falloir attendre. Déjà qu'il a mis 3 ans à ouvrir ce truc là. C'est bon? J'aimerais savoir où le chancelier veut en venir. Je suis pas idiot, je sais qu'il me fait surveiller par Aranea. Je peux le tuer ou pas, frère? Je vais esquiver. Ouais, c'est esquive. Je dois monter ou pas? Non, je pense pas. Ah bah putain. J'ai envie de le tuer. Et il m'a vu d'où? Oh les gens, oh pff, les amis, ça va, ça je vais pas aimer. Je regardais un truc, désolé. Bref. À quoi tu penses, Noct? Dépêchons-nous.
savoir où le chancelier veut en venir. Je ne suis pas idiot, je sais qu'il me fait surveiller par Aranea. Vous pensez que maintenant je peux le tuer ou je dois encore attendre un peu? C'est bon. Si je la rencontre pas. Il a le culot de dire qu'il lui fait confiance parce qu'elle est humaine. Un comble pour l'homme qui a instauré les soldats magiques. Estaloum, j'ai peut-être agi un peu trop rapidement avec ce servant impudent, mais le résultat sera là. On ne peut pas laisser cette mercenaire nous devancer. C'est moi, Caligo, qui trouverai le prince en premier. Il est où? J'ai vraiment envie de tuer. Cette femme une nouvelle fois. Attendez ici. Si la commandante arrive, conduisez-la. Il va me voir si je me téléporte là. Je pourrais le tuer quoi, c'est un puissant de la République. Approche-toi par derrière et assomme-le. Attention, ne le tue pas. Ça va, je sais. Hey. Évitons les combats inutiles. La priorité, c'est la vie. D'accord. Beau travail. Moi, je l'aurais tué, mais bon. On a réussi, en fait c'était pas si compliqué. J'étais même pas obligé de tuer quelqu'un, mais ça m'a fait plaisir de les tuer. Ce serait bien qu'on tue tout le monde, hein. Tous les ennemis. Hein? J'ai pas compris. C'est le moment. Je suis pas tué. Approche-toi par derrière et assomme-le. Attention. Non. Il est pas mort, c'est bon. Ouf, beau travail. Continuons comme ça. Ça y est, ils ont commencé. Nope, va les rejoindre. Je me charge de cet idiot. Ok. Bon. Je voulais m'amuser. On va pouvoir se les faire.
Bam, boum, bam, bim, bam, boum. 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 Mère, nom de Dieu. Hop. Par ici. Salut les gars. Ouais, si ce n'est que ça. Allez gars, on va le dégommer. C'est pas ça qui va faire grand chose. Ouais les gars, faut le désinguer. Boum. Ça va aller vite. C'est bon? T'arrêtes tes airs? Merci. Super. On va finir ça. Pourquoi il veut pas attaquer? J'ai pas tout compris les amis. Le type qu'on a capturé. Eh bien, je l'avais refilé au clan Meldacio. Mais ils viennent malheureusement de me contacter. Le prisonnier s'est enfui. C'est pas grave, on le frappe peut-être la main dessus. On le tuera frère, TKT. Oh, 5000 pour ça. Ouais, quand tu veux hein. Bon. Du coup, c'est qui? C'est Corquette, ça. Oh, il est mignon. Voyons ce que tu vaux, mon chou. Allez, on va la démontre. Go, calme. Ma fille, t'es que niveau 26, on est le double de toi. Merci, 2 secondes. C'est joli ce que tu fais. Bon, elle va se calmer 2 secondes. Bon, elle se rebelle. Bam, notre gueule. Boum. On l'achève. Pas grave. Encore. Elle a déjà mis de live. Ça c'est cool. Dégomme là un coup. Bam, 7000. Ouais, en avant. Je vais montrer ce que c'est que l'avant. Trop de bite. Mal baisé, vous. Bon, elle va se calmer tout de suite, la fille. Désolé, mais il est temps que j'y aille. Quoi? T'allais crever, surtout. Ma journée est finie. J'en ai fait assez. Bon, allez, je vous laisse. Ces gros radins ne veulent pas me payer leur sup. J'espère qu'on se reverra. Mon petit prince charmant. T'es bonne. T'es bonne. Je reconnais. Et enfin, cette nana... Elle voulait quoi? Je sais pas frère.
Balek. Je m'inquiète pour Iris, elle est toute seule. Elle ne risque rien. Essayons de pas traîner. Bon allez, on va rejoindre Iris, on va continuer vers l'endroit où elle voulait y aller, je ne sais plus où. C'était un beau combat, on a encore repris une petite forteresse, tranquillou, c'était easy. Easy peasy. Et ça, ça c'est beau. Ah, mais il était temps. Bien sûr. Dégommer, c'est notre truc. Dites, ça vous dérange si je reste avec vous ? Reste avec moi. Ça va aller tout seul. Bon, ben, on va se mettre notre XP. Boum, 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 boum. Bon, niveau 50. Ça fait zizir. Ah, ça, c'est moi. Joli portrait, si tu veux, mon avis. Très joli, même. Tu as un vrai talent, Ponto. Hop. Photobombe. J'avais pas compris c'était quoi. Genshin en photo. Et qui sait, ce sera peut-être ma prochaine carrière. C'est elle Genshin? Bon écoutez, je sais absolument pas, mais allez, je veux bien. Pourquoi pas? Je vous l'avoue que quand j'ai lu les trophées et que j'ai vu ça, j'ai pas trop compris comment j'allais le faire. Inis. Oh bah allez hop. Je vais faire oui comme ça. Bah voilà. Ouais. Boum. Elle est bien stylée cette voiture. Ce serait bien qu'il la fasse en vrai. C'est parti mon cochon. À combien de mètres? 2300. C'est génial. Bon, on va mettre de la musique hein, les gars, parce que. Au moins, la prochaine fois qu'on la verra, on sera pas surpris. En tout cas, elle est d'une autre envergure que Loki. Oui, mais faut dire qu'on avait Korr à nos côtés. Tu crois que ça nous aurait aidé s'il avait été ici? Ah ouais. J'espère qu'on pourra l'affronter encore. On va tous les tuer façon moi Balek. Hein. Pas de pitié, non. Pas de tendresse. Ça va être Bagdad dans ses fesses. Direct. On a fait presque 300 mètres. C'est génial. Youpi. Oh putain, pourquoi on peut pas se téléporter là-bas? C'est trop lent. Hein. Dans ce cas-là, faut être dans GTA. Tu traces en 2-2. Hein. T'inquiète que les 2 km. En 15 secondes, ils sont faits. Hein. Non, 30 secondes, allez. On leur laisse le bénéfice du doute. Je rêve ou ça ressemble à une sorte d'entrée? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par là. Il semblerait que nous ayons devant nous la fameuse forêt de Malmalam. Alors il y a des chances qu'on y trouve ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu veux qu'on y... Il y a un truc intéressant au moins dans cette forêt. Putain, je peux même pas regarder la carte, tu vois ce que je veux dire frère, c'est chiant. Avant tout pour me faire chier. T'as intérêt à avoir un truc intéressant, je te le jure. Sinon je vais te haïr au plus haut fond de mon âme. On est arrivé. File-moi une mission tout de suite, hein, sinon ça va abarder. Hein. Bien. Messieurs. Eh ouais. Vous savez quoi? De temps en temps, ça m'arrive de voir des gens voyager à d'autres chocobos. Vous êtes déjà monté sur un chocobo? J'aimerais bien le faire une fois. Eh bien, faisons-le. Noct, tu peux appeler les chocobos?
Putain, tout ça pour ça. Je la hais tellement. En douceur. Allez, monte. Quoi, là, on a un rose, c'est stylé sa mère. Oh, pas forcément rose, mais changer de couleur. Ouais, tu veux qu'on fasse quoi? Waouh, super. Merci à toi, Chocobo. Tu veux qu'on fasse quoi maintenant? C'est bon? Elle s'est amusée, la petite? Que à rire et rire, hein. Et là, c'est pas drôle. C'est hors contexte. Le temps qu'on perd, quoi. Tout ça pour faire plaisir à une meuf. C'est vachement lent. On va essayer de trouver une bonne musique. Non. Dites, vous allez tous les quatre à Atticia? En théorie. Ouais. Oh, la chance. On n'y va pas pour faire du tourisme. On s'éloigne, frère. Oui, c'est vrai. Iris, t'as l'air triste. Oh, non, non. J'ai juste parlé sans réfléchir. C'est tellement chouette de voyager avec vous. Je suis pas pressée d'arriver à KM. Dis pas n'importe quoi. T'inquiète pas, on te rendra visite. Pas vrai? Ouais. Non. Les mecs, non. Pas moi, peut-être eux, mais pas moi. La chanson, elle est un peu trop... Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ce serait peut-être temps de faire une pause, non? Bah pourquoi? Faudrait pas que notre chauffeur s'endorme. Ah non, ce serait con. C'est pour Iris qui s'inquiète, pas nous. Oui. Non, fais pas de pause, tu m'emmerdes. Putain, hein. T'es reparti, mon cochon. Ah, c'est déconné, ça, on va jamais y arriver. C'est quoi cette drôle d'odeur? La marée. J'ai pété. L'océan est proche. Waouh! Quelle vue! C'est un bel endroit. Longtemps, putain. Ah, je vous dis, on va jamais y arriver si tout le monde fait des pauses comme ça en plus. C'est n'importe quoi. Ah, je vois un grand pont. Ah, quand même, impressionnant. En effet, il doit traverser un fleuve important. J'adore ce genre de paysage. Je vois encore plus les mecs en Isra. Si seulement on y arrive un jour. Dis, on va jeter un coup d'œil? Y'a quoi? Non. S'arrête pas, t'es chiante. Donc, c'est toujours toi qui fais la cuisine? Plus ou moins. Gladio, tu l'aides pas? Et toi? Bah, à l'occasion. Quelle occasion? Moi, je l'aide bien. Je mets toujours le couvert. Je vois que les tâches sont bien réparties. On branle que dalle, cousine. C'est lui qui veut faire à bouffer, mais moi, je lui demande rien. Oui, c'est là. Ignis, merci pour la route. De rien. J'ai juste mis 10 minutes pour aller là.
Allez, garde-toi. Carpe diem. Cap game. Désolé de te transformer en sardine. Du calme. Allez, on s'arrache. T'es pas drôle et t'es trop large. C'est un tas de muscles, hein. Moi j'aimerais bien avoir ne serait-ce que la moitié de ces muscles. Wow, il est beau, je serais bien content. Et si on montait? Le vent doit souffler là-haut. Mais la vue est... Salut. Oh ma petite chérie. Salut toi. Voiture, bruit du moteur. Oh, bon bah si. Notre voyage restera un super souvenir. Si, il fallait la quitter. Je vais suivre jusqu'au bout du monde. Regardez-moi se déhancher. Bang, 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 bang. Ping, bang, ping. On va être obligé de remplacer certaines pièces. Ah bah, ça promet. Tu peux pas courir? Oh, c'est lent. J'ai horreur quand c'est aussi lent. Cindy, viens. Je suis coincé. On va aller à droite parce que Iris est parti à droite. Y'a quelqu'un? Oh, regardez cette lenteur. Putain. Grouille. Tu seras un amour. Ça ira. Papy, il est pas du genre à baisser les bras. Sauf que ces pièces, bah, faut les trouver. Désolé de vous demander ça, mais vous pourriez nous aider? Bien sûr. Compte sur nous. Super. Ah, et puis rassurez-vous, il y en a pas tant que ça. Monica et Dustin sont super efficaces. Ils ont déjà trouvé la plupart des pièces. Parfait, ça ne m'étonne pas d'eux. Malheureusement, il nous manque encore du mithril. C'est un minerai extrêmement rare. D'après le petit garçon de la capitale, il est absolument impossible d'en trouver dans la région. Talcott ? Oui. Mithril ? Il est si jeune et tellement savant. Pour en savoir plus, allez lui parler. Ok, merci. Il est où ? Papy est sur le quai, il vous attend. Bon, bah, c'est pas tout ça. Oh, regardez-moi cette paire. Je vais prendre mes outils et je vais rentrer. Je suis en train de baver. Noctis ! Regarde ! Talcott ! Ici, c'est notre maison. Je vais te montrer. Bon, on continue. On va parler au Cho. Il arrête pas, hein. Tu as parlé à Cindy, non ? Il paraît qu'elle a besoin de mithril, un minerai très rare. Heureusement, j'ai lu ça dans un carnet de papy. Super. Vous savez, je crois bien que le lac dont parlait Talcott est le lac Vesper. Monica, il va falloir vous préparer. Et comme vous ne pourrez pas revenir pendant quelques temps. Voulez-vous vraiment continuer ? Bah, j'ai tout fini. Iris, je veux pas nous laisser seuls. Apparemment, j'ai déjà trouvé du mithril. À tout à l'heure alors. Quête achevée. Ouais, 1000 en faisant que dalle, j'aime ça. Ça qui est bon. Si vous pouvez donner 10 000 maintenant, étant donné que je suis plus haut dans les niveaux. Bon, les gars, il va falloir régler ce problème de bateau sans moi. Mais pourquoi? J'ai un truc à faire de mon côté. C'est triste. Bah, il fait ce qu'il veut. Bon, très bien. J'imagine que c'est important. Quel plaisir de servir un prince comme toi. Bon, à plus. Bon, on va se... Vous avez gagné 600 points. Super. Ouais, un trophée. Super, Gladiolus. Il me manque des gens. Celle-là, elle est cool. Celle-là est encore plus cool. Frères et sœurs, pourquoi pas. Ça continue, je vais devoir trier mes photos.
On va s'arrêter ici, le temps du chargement, parce que ça fait déjà 40 minutes. Je vous dis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!